Bonjour à tous, jour numéro 3, donc on est le 3 décembre et on va ouvrir la case numéro 3. Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Deux petites choses. Donc il y a un petit leurre souple. Donc un petit leurre souple, très joli. C'est du 3 pouces je pense. Très très belle petite paddle là qui bouge bien. Très très joli. Donc ça, je vais l'utiliser avec du 2 grammes ou 3 grammes maximum pour pêcher les petites truites et les petites perches, ça peut être sympa. Hameçon numéro 2 voire 4. Et en plus, on avait une petite tête plombée en 5 grammes, très jolie aussi, 5 grammes. Donc pour moi, je trouve que c'est un petit peu lourd, mais bon, si on a du courant, on pourra pêcher avec. Si vous avez des conseils de montage, c'est avec plaisir que vous pouvez me les mettre en commentaire, comme ça je regarderai tout ça. Merci à vous. Allez, on va ouvrir la case numéro 3. Alors, case numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Un petit leurre souple, bien sympa. Ah, très belle couleur. Donc, ça, c'est un leurre que je connais pas. Donc, je regarderai sur internet et puis je vous mettrai en description. Très, très joli petit leurre. C'est des leurres en plus que j'utilise jamais. D'ailleurs, à tort. Hein, donc, ça va me permettre de découvrir ce nouveau leurre. Si vous avez des conseils de montage, comme d'habitude, mettez-moi ça en commentaire. Comme ça, on partage ensemble l'ouverture de tous ces. De tous ces calendriers de l'avant. Voilà, très très belle couleur. Moi je vais mettre peut-être petite tête plombée toute simple, hein, ça peut aller. Pourquoi pas aussi pêcher avec un texan aussi, ça peut être pas mal. Merci d'avoir vu la vidéo, à demain les gars, bonne journée à vous, ciao.